Yo tout le monde, c'est Monsieur Jack, comment allez-vous? Bah écoutez, pour apprendre ça va très 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 bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Need for Speed. Mais pas le payback, on va faire un petit comeback en arrière sur Need for Speed Most Wanted. Pourquoi Need for Speed Most Wanted? Tout simplement parce que c'est l'un de mes Need for Speed préférés. Je pense que j'ai passé bien la moitié de ma jeune enfance sur ce jeu à le faire recommencer, le faire, le refaire, etc. 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 J'ai adoré ce jeu. Pour moi, ça reste honnêtement de mes années de gamer. Je pense que c'est l'un des jeux où j'ai passé le plus de temps dessus avec Need for Speed Underground 1. Si je devais le placer, je le placerais ben, égalité avec Need for Speed Underground 1 sur le podium, sur la première place tout simplement. Pour moi, il y a tout dans ce jeu, il y a tout, la carrière est magnifique, on peut faire tout ce que l'on veut, bref, ce jeu est parfait pour moi. Je vais y jouer sur 360, tout simplement parce que je peux rec ben, tout simplement en HD, et que si j'aurais branché la PS2, ben voilà, ça aurait pas été en HD, ça aurait été encore beaucoup plus dégueulasse que ça ne l'est à l'heure actuelle. C'est un ancien jeu, donc faudra être clément avec le record. Le record va s'effectuer donc en 60 FPS, 1080p, donc la qualité sera tout petit peu mieux, mais bon voilà. Si vous entendez des bruits de ventilo, c'est ma Xbox 360 qui est en train de fusionner, je ne sais comment, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin de la vidéo. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour le début de ce petit let's play. Et sachant que si ça vous plaît, on continuera le let's play. Et puis si on termine le let's play en vidéo, eh ben on recommencera sur un let's play d'un autre Need for Speed qui vous plaira à vous cette fois-ci. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici dans l'accueil de Need for Speed Most Wanted. Honnêtement, simplement la tracklist. Je vais essayer de mettre le son entre guillemets pour que vous puissiez entendre les musiques, les vraies musiques d'un vrai Need for Speed. Des musiques lourdes, des trucs, voilà. Personne ne peut passer à travers ces musiques-là sans se rappeler de Most Wanted, tout simplement. Pour moi, c'était les meilleures tracklists, pardon, qu'on pouvait avoir sur un jeu de voiture. Et c'est celle-ci, tout simplement. Allez, on démarre la carrière tous ensemble. Je vais faire des cuts. Je vais faire des cuts tout simplement pour pas que ça soit trop long. Mon but, c'est de faire des épisodes de, on va dire, 15-20 minutes grand maximum. Donc voilà. Allez, on se tait, on regarde tout ça. Il fait trop le malin, lui. Il est dangereux. Attention, il ne reculera devant rien. D'abord, j'embarque ta bagnole et ta copine juste après. Tu vas bientôt pleurer. Si je me trompe pas, si je me souviens bien, c'est Razor. Razor, le fils d'Up. Il me semble que ça doit être ça, son nom. Je vais baisser un petit peu le son. Tac. Hop. Ah, la nostalgie de retourner sur ce jeu. Une nostalgie, honnêtement, c'est magnifique. La M3 mythique, les gars. C'est mythique, ça. C'est mythique. Celui-là qui me dit, non, c'est de la merde. Ah, putain. Je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Je sais pas ce qu'il te... Je sais pas ce qu'il faut. Ah là là, mais c'est... Ah bah si la manette commence à faire des scènes en début de vidéo. Bah c'est vrai que la cinématique... Bah là, on va prendre le bolide en main. Allez, de toute façon, on sait très bien que là, pour ceux qui l'ont fait, on sait très bien et pertinemment que de toute manière, on va perdre la course. Parce qu'en fait, ils nous ont pété notre bagnole, en fait. Voilà. Voilà. On lui mettait une piquette, mais l'autre, c'est un fils de pute, parce que il sait pas jouer tranquillement. Il sait pas faire la course tranquillement. Moi, je vois que ça. Razor, le fils d'Up. Ah, c'est vrai que ça pique un peu les yeux, hein. Mais le nombre de fois où j'ai recommencé ce jeu, les gars.
Donc ça c'est notre pote. Bah notre meuf entre guillemets quoi. Que d'émotions en voyant tout ça. Putain, comment il s'appelle lui? Ah, j'ai perdu son nom. Oui, Cross. Cross qui apparaît d'ailleurs dans Need for Speed Payback. Bah, qui apparaît. Sa voix apparaît. Levier, jante. C'est pour la frime tout ça ou il y a de quoi m'intéresser? Moi j'aimerais bien jeter un œil sous le capot. Elle veut notre bite. Bonne idée. Alors je vais te dire ce qui va se passer. On va en état mature, la désosser et voir si tout ça est bien réglo. Et moi, je suis sûr que non. Appelle la dépanneuse. Je crois bien que c'est fini les courses de rue. Écoute, je vais te dire un truc. Les courses de rue à Rockport, c'est fini. J'ai une bonne petite surprise pour les petits rigolos comme toi, mais c'est pas ici que ça se passe. Maintenant, tu sors de là. À la division de patrouille, des voitures sont lancées à la poursuite de plusieurs véhicules qui résistent violemment à leur interpellation. Les voitures dans la zone sont réquisitionnées et priées de se préparer à intervenir en renfort. Prochaine fois, t'auras pas autant de chance. Mais la street est plus beaucoup plus forte que toi. Oublie pas. Et fils de pute, j'avais oublié ce moment-là. Putain. Vieille merde. Belle peinture. En fait, ils ont tous peur de nous. Tout simplement. Ah, il y a beaucoup de... Ah, une Supra. Là, il y a une Supra. J'avais oublié ce moment-là. Hop, on rebaisse le son vite fait. Du moment en fait qu'il n'y a pas de cinématique, je vous mets pas le son. Allez, première course. Allez. C'est tellement beau. Bah c'est tellement beau. Ça pique les yeux, mais c'est beau. On avait aussi les ralentis sur les jeux comme ça. Je pense que c'est le premier jeu où il y avait les premières... entre guillemets, ralentissement pour éviter de se casser la gueule. Je crois que c'est le premier jeu en fait. Après, on a eu les flashbacks sur, sur Forza, on a eu les flashbacks sur Grid, on en a eu sur pas mal de jeux. Mais dites-moi, honnêtement, dites-moi si ça vous fait kiffer un petit retour en arrière comme ça. Moi, je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas joué à Need for Speed Most Wanted et qui ne savent même pas qu'en fait c'est l'un des Need for Speed préférés de la communauté, tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut être pas trop mal de vous faire découvrir certains Need for Speed que certains d'entre vous n'ont peut-être pas connu, tout simplement. Allez, là, de toute façon, on va lui mettre une piquette, on arrive à la ligne d'arrivée. Et voilà. C'est vrai qu'il y en avait la petite photo de Polaris, que c'était beau, c'était beau. Et je crois bien que ma console est en train de fusionner, comme on dit. Alors, un petit peu de son. Qu'est-ce que je t'ai dit? Résor, il me suivait, impossible de le sonner. Ferme-la. Elle fils d'up. Voilà, Résor. Encore un petit crâneur qui veut prendre une raclée. Et pourquoi tu veux te faire autant de mal? Donne-moi plutôt les pièces tout de suite. Crâneur ou pas,
Cette bagnole est chouette. Mia. Mia, quand même, qui était le nom. Ça se raccroche vraiment du Fast and Furious. Mia, qui était la sœur donc, de Toretto. Ça se rapproche beaucoup hein, quand on regarde dans les épisodes Need for Speed. Ça se raccroche un peu au Fast and Furious. Pas plus rapide ici. Tu n'y connais vraiment rien en bagnole, ma belle. Je parie que ta caisse pourra pas suivre. Je sais très bien de quoi je suis capable. Tu peux parier ce que tu veux, mais je crame tout le monde, moi. Y compris cette poubelle à ressort, là. Alors, on cause monnaie ou pas ? 5 000. 5 000 si mon pote enrhume ce minable. Qu'est-ce que ton pote vient faire là-dedans ? Je cours pas contre ce minable. Et je n'ai aucun ordre à recevoir d'une minette qui n'a pas encore fait ses preuves. Ouais. Et lui, c'est le fameux numéro 15 de la liste noire. La liste noire. Il faut une sacrée réputation pour pouvoir prétendre courir contre lui. Merci de l'info. Mais la réputation, je vais l'avoir. Alors, on y va ou quoi ? Je m'en occupe. Alors, toi, le ping-pong, j'en m'entends dire que tu vas pas jouer avec mes couilles bien longtemps. Ah ouais. Et pourquoi on dirait pas 10 000 ? Ah ouais, tu veux jouer gros, hein, c'est ça ? D'accord, ça marche. Ouais. Passez-moi la police. On a plusieurs types ici qui veulent se faire une petite course de rue sur les docks. Vous feriez bien d'envoyer les flics tout de suite. Et aussi une ambulance d'ailleurs. Et quand il t'aura mis une bonne raclée, je ne veux plus jamais te revoir dans le coin. Ce qu'il sait pas lui, c'est que c'est moi qui vais lui mettre dans le huc. C'est moi ? Point final, les gars. Oh là là. Quel départ de la BM. Alors, je sais même pas si le jeu est soit en normal ou en élevé ou je sais pas quoi, en niveau difficulté. Alors là, les gars, là, on va connaître vraiment de la castagne avec les flics. Parce que les flics sur ce jeu, les gars, c'est pas les flics de Payback. C'est pas du tout les flics de Payback. Il y a des dégâts, il y a de tout. Et on a des compteurs, en fait. On a des compteurs, et c'est ça qui est... Mais c'est ça. Allez. Bon, les courses du début sont pas très très longues, hein. Coup de poursuite, voilà, c'est les coups de poursuite. Oh putain. Mais c'était tellement bon ça à l'époque. Allez, dégage toi. Putain, il y a le ping-pong derrière les gars. Alors, on n'y voyait aucune attaque contre les Asiatiques, hein, c'est pour rigoler. Hein. Parce qu'on a des... je suis sûr qu'ils vont prendre ça au premier degré. Ouais, j'avais changé la vue, mais ça me faisait trop bizarre. Et encore, ça va, j'ai pas trop... J'allais dire, j'ai pas trop perdu la main. Un petit peu. Un petit peu, parce que ça change totalement. On a gagné 10 000 en cash. Hop. Petite cinématique qui va bien passer. Allez. Donc petite course. Allez. On va faire la première introduction ensemble. Voilà, parce que là c'est pas totalement le jeu. On en a 12 minutes et quelques. Ça va. C'est un let's play ou c'est pas un let's play ? Bah c'est un let's play. Oui et non, si après je vois que ça vous plaît pas, je continue pas les gars, mais... voilà, c'est... Moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un petit retour sur les anciens Need for Speed. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent dans les commentaires, comme quoi, moi, entre guillemets, Payback serait mon premier Need for Speed. Payback n'est pas mon premier Need for Speed.
Je tiens à vous le dire, hein. J'ai le tout premier qui est sorti sur Sega qui était sorti à l'époque. J'ai même le Need for Speed Nitro sur Wii. Les gars, quand on a ça, on peut pas dire que le mec n'a jamais joué à Need for Speed. Celui qui a Nitro sur Wii, eh ben je vais vous dire qu'il faut s'accrocher parce que c'est pire. Le pire jeu qui est sorti. Il est même sorti sur DS. Donc sur DS, j'ai pas essayé. Et vaut mieux pas parce que je pense que sinon je vomis. Il y a pas de grandes chances. Allez. Alors, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver cette semaine. Alors, je veux qu'ils arrivent cette semaine. Donc, si j'ai le temps, je les fais cette semaine. Plusieurs vidéos comme la vidéo présentation de mon nouveau volant. Donc, j'ai un nouveau volant qui est arrivé. Cette semaine, normalement, je reçois aussi ma boîte en H, tout simplement, qui va avec mon volant. Il y a plein de trucs qui vont arriver, les gars. Il y a plein de trucs qui vont faire que prochainement, honnêtement, dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, gros maximum, vous allez avoir, entre guillemets, mon setup. Mon setup que je pense, honnêtement, je me suis bien démerdé. J'ai toujours voulu avoir un setup comme ça. Et là, enfin, je vais pouvoir l'avoir. Donc, je vais vous montrer tout ça petit à petit, tout simplement. Enfin bref, allez, on a encore gagné 10 000 de cash. Hein. Et là, petite cinématique. Bien joué, pas mal le style, mais fais bien attention avec ces types-là. À la prochaine. Quoi de neuf, Playboy? Ça fait plaisir que tu veuilles te frotter au meilleur. Vraiment, je t'assure, ça faisait un moment que j'avais envie de cette bagnole. Quoi? On t'a pas dit? Hein? Tu vas devoir défier un pilote de la liste noire. Et ça? Ouais, ça. Personne n'est assez bête pour oser ça. Allez, ne me fais pas attendre. Et là, on va enfin faire la course contre Razor. Je vous spoil, pour ceux qui connaissent pas, on va la perdre. Tout simplement. Il me semble. Ah, c'est pas ce moment-là? Si? Non? Non, bah voilà. On retourne 4 jours plus tard. Déjà, quand le mec il dit ça, il te spoil direct déjà que tu vas perdre. Je l'ai passé parce qu'on connaît déjà la suite. Allez, les gars. Allez, on va lui niquer sa mère. Allez. T'as ta Mustang là. Chat. Chat la Mustang. A savoir quand même qu'on se bat entre guillemets contre le numéro 1 de la liste noire. Alors que normalement, si on gagne, si jamais bon, le jeu voudrait qu'on gagne entre guillemets, mais bon, vu qu'il a trafiqué la voiture, on serait directement, on aurait pu finir le jeu directement en fait. Ça c'est une petite, c'est ce que j'avais lu en fait sur des forums. Ils disaient mais si on gagne contre, s'il n'y a pas le truc comme quoi ils ont trafiqué la bagnole et tout, bah, tout simplement on gagne tout simplement la course. Donc on bat Trevor qui est numéro 1 et point final. On a fini le jeu. Parce qu'à la fin, ça finit comme ça. Bon, il y a plein de rebondissements hein, dans la. Simplement avec Cross dans le jeu, il y a plein de rebondissements. Hein. Si vous kiffez le let's play, vous allez voir ça après. Hein. Allez. Allez, mon gros. Oh non! Putain! Va falloir que je m'achète une manette, les gars. Parce que celle-ci, je crois qu'elle est hachée. Là! À la Mustang! Oula! En fait, avec le joystick gauche, droit, pardon, ça fait freiner votre voiture. Et je viens de voir ça, j'ai totalement oublié ça. Alors, toi... Voilà. Allez. Bon, ça sert à rien parce qu'on a. Voilà, comme je l'ai dit, on a perdu la partie, mais. Si on peut le bourrer un tout petit peu. Et là, on va commencer à avoir des pertes de puissance. Bientôt. Voilà. D'ailleurs.
Il y a Mia qui nous appelle. Ah non! Putain! Voilà. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, voilà, on se fait embarquer donc par la dépanneuse. C'est triste. C'est triste de voir s'envoler une BM comme ça. On va mettre un petit peu de son, il va avoir petit signal. Merci pour la bagnole. Je savais que tu n'étais pas fait pour la liste noire. Vite, pute. Et le fric, il est où alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que c'est une grande gueule et rien d'autre. Oh ta gueule, le ping-pong. Connard. Elle est à moi maintenant. Et je vais la faire hurler, tu vas voir. Ouais, à fond et en force. Hé, hey, Mia. Viens voir, ma belle. Le camp des vainqueurs, c'est par ici. Les flics! Les flics! Les flics! Ah, ça me fait penser dans le 1, de toute façon, juste 1. Quand ils se barrent tous, quand les flics arrivent au premier rang. Hé, mec, l'arrêt de bus, c'est là-bas! Et tu étais soi-disant le plus coriace. Mais je te tiens maintenant. Alors, il est où ton bolide, hein? On s'en fout. Là où il va, il n'en aura pas besoin. Et dans la grande maison, on va t'accueillir à bras ouverts. Enfin bref. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Donc là, il y a Mia qui arrive à notre secours. Elle. J'ai su qu'il n'avait rien contre toi. C'est quand même dur de te coffrer pour course clandestine, alors que tu n'as même pas de voiture. Résort t'a piégé. Il a déconné avec ta bagnole. Comme si on le savait pas. Ça se complique. Il est numéro 1 sur la liste noire. Il s'est servi de ta caisse pour y arriver. Pour retrouver ta place, tu dois gagner en réputation, remporter des courses et faire monter ta prime. Je t'ai dégoté un endroit où tu pourras te planquer. Mais d'abord, tu dois te trouver une nouvelle bagnole. Aide, c'est Mia. J'ai un ami avec moi. Rends-moi un petit service et appelle-le. Merci. Je te revaudrai ça. Les fameuses planques. Alors, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas de personnage. Vraiment, on voit pas notre personnage, en fait, dans le jeu, tout simplement. Je pense que on va choisir notre voiture ensemble. Et après, le premier épisode, entre guillemets, va s'arrêter ici, tout simplement. Et je vais la choisir avec vous. Alors, c'est même vous qui allez la choisir. Ah maintenant je peux pas, je suis obligé. Dommage. Alors on a le droit à la Lexus 300. On a le droit à la Fiat Punto. On a le droit à la Chevrolet. À la Golf. Alors la Golf, j'ai pas encore assez de pognon. Donc je pense que l'on va partir sur une voiture qui est... Je vais prendre, comme j'avais fait à l'époque, je vais prendre la Chevrolet, tout simplement. Parce que c'est la moins chère, et c'est celle qu'on va pouvoir le plus équiper avec les thunes qui nous restent, tout simplement. Allez, hop. Donc là, c'est acheté, tout simplement. L'épisode va durer un tout petit peu plus longtemps que ce que je n'aurais voulu. Mais bon, on kiffe. Salut, c'est moi. Regarde un peu ta carte. Rends-toi à l'endroit dont je t'ai parlé. On se voit là-bas. À plus. Tac. Hop. Donc voilà, on va se laisser donc tout simplement avec le petit SMS donc de Mia qui nous dit de la rejoindre donc au garage avec entre guillemets notre voiture et puis voilà tout simplement. J'espère qu'en tout cas ça vous aura fait plaisir. J'espère que la vidéo elle vous a rendu nostalgique comme moi elle m'a rendu nostalgique. Désolé, c'est une petite vidéo qui dure un tout petit peu plus longtemps que prévu, mais voilà, c'était le premier épisode, pas mal de cinématiques, etc., etc. Donc voilà, donc si vous avez kiffé cette vidéo, et ben dites-le moi, ou si vous n'avez pas kiffé et vous trouvez ça trop long, ou un let's play, ben vous en foutez, vous voulez simplement que je fasse des vidéos sur Payback, et ben dites-le moi, et je comprendrai tout à fait, sachant que j'aimerais bien continuer
Tout simplement ce petit let's play, ou simplement faire des vidéos sur d'autres Need for Speed, tout simplement. Et puis voilà, donc écoutez, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu, ça va me faire extrêmement plaisir. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur le petit Gohan qui aura au milieu de ma tronche. Et puis voilà, tout le monde est content. C'était Monsieur Jack. Peace!